Taguez-moi le doyen, le grand imam. Elay Salifou, Camara. Il faut que nos religieux, nos sages se ressaisissent. Elay Salifou. Imam Nan Naoura, au Al-Qur'an à Colon. Mais wa Colon, si les gens vous respectent, vous devez vraiment être encore sage dans vos prises de décision. L'affaire de Foniké, Elay Salifou, premier imam, vous saviez bel et bien que le CNRD vous a approché après le retour de Foniké Mangé en Guinée, Elay Salifou, Itayati Nakolo. Il fonique Rélierne. Il nous fonique au beau retour. Et voyez Naram Falar, Elay Salifou. Vous le saviez. Ita Akolo, Ala Akolo. Fonique Akolo. Ou voyez Naram Falar. Ou voyez Naram Falar. Fonique Bé. Elay Salifou. Le CNRD, ils vous ont approché. Ils vous ont approché de parler à Foniké. Aux propositions Naram Birim Falar Foniké Bé. Vous saviez que Foniké n'a pas accepté. Voyez Naram Birim Falar. Le CNRD, les propositions qui vous ont dit de dire à Foniké. Vous savez, ils ont dit à Foniké d'aller se former, qu'ils vont payer une bourse d'études pour lui. Foniké n'a pas accepté. Ils ont demandé à Foniké s'il veut un poste. Foniké n'a pas accepté. Et même le CNT, c'est pourquoi il y a un moment, les gens même parlaient de rumeurs, ils vont enlever dans ça. Si Foniké acceptait l'offre du CNRD, Mamadi Doumbouya allait limoger dans sa Kourouma et nommer Foniké Mangé. Mais Foniké n'a pas accepté les propositions de Elay Saruna. Il a dit niet. Et c'est là, les bandits se sont énervés. Parce que imaginez, c'est rare de voir des jeunes aujourd'hui. On te propose de l'argent, on te propose des postes, on te propose tout. Et tu dis non, respectez vos engagements. Vous avez dit devant le peuple de Guinée que ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Donc, Elay Salifou, au lieu de tourner autour du pot au nom du colon, Al-Kiyama, Ikitimane, Ife Ferababi, Inouule Fala, Yamabe, Al-Kiyama, devant le bon Dieu, devant le bon Dieu, Imam, tu sais que ces bandits-là, ils vous ont approché. Et tout récemment, les mêmes bandits se servent de toi parce que c'est facile aujourd'hui. Et Rafa Merebe, comme Ngeya Alanara, et Nara musulman Fenima Soto, Alou Alayira. Parce que Merene Era Merifara, et Tanara Nimba, Nanara et toi Fala Mamoube, il faut pas, voilà, il ne faut pas rendre pour vous. Donc, il faut dire la vérité. L'imam Salifou, premier imam de la grande mosquée, non dit Fala, Foniké Rafé, tu en sais bien. Les gens là, ils t'ont approché de parler à Foniké. Et proposition Brinaba. Mais si vous, les imams, vous n'osez pas dire la vérité, Wakolo Faramane. Wakolo Faramane. Wakolo Mukitimane. Otayatina Fala Mamoube. À la mosquée, dans les sermons. Il ne faut pas que les gens mentent. Mais il n'y a pas de oulé. Il n'y a pas de mounyati. Il n'y a pas de Imam Salifou. Il n'y a pas de yami koué. Il n'y a pas de Al-Qur'an koué. Mais quand on est sous sa nom de falade, c'est soi-disant co-dirigeant. Ce pays n'ira nulle part, Imam. Imam, il faut oser dire la vérité.
osez dire la vérité au CNRD. Si vous, vous ne dites pas la vérité à ces gens, Djibori Moussika Madede, imam, tous les pays développés, les États-Unis, c'est un pays, on peut dire, voilà, chrétien en majorité. Pays Mato, il faut voir les États-Unis. Dans les années 30, 60, 70, et la religion, ils étaient, c'est-à-dire, ils étaient chrétiens à 100%. N'a fait n'a pas birim raba fait qui n'a mouna Amérique. Nanara, ce pays-là, Barkan n'a dit pays. Comment Barkan n'a pas la Guinée si vous refusez de dire la vérité aux Guinéens? Vous-même, les imams, ils se servent de vous pour tromper le peuple. Imam Salifou. Imam Salifou. Le peuple, on a un grand respect pour vous, mais à cause de ces gens-là, vous allez perdre cette crédibilité. Le respect que les gens ont pour vous, Imam Salifou, tu ne peux plus souffrir dans ta vie. Tes enfants sont des grands garçons. Andé aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise. Tes enfants, tu le sais bien. Itamou nomma Kamede Sonon. Même la grande mosquée Adanama, même Eniba grande mosquée. Toi, Kose Kusuma, là, Akolo, Tangada, Dugulaya, Nanana aura fait, non dit Tamou Falama. Itan Kose Kusuma. Parce que, non dit, Nanana aura fait, Mouna la Guinée Féné. O sera que l'intaya raba, Namigi Kobi et Matombede, Nara nous touché, hein, Mouramigé. O Moukel Mabé, O t'en fouillanté, O t'en nego d'Ormeni, O Mouna Massé raba fait. Fouillanté, O d'Ormeni, grand, grand, la Guinée n'a qu'à faire. O t'en fouillanté. Il nous voyait, hein, il m'a massoré qui, oh, moura kuntigi. Et là, c'est que nous avons des autant fouillanté, des maudits comme ça, là. Mais il nous voyait, oh, il faut laisser l'imam. Puis je suis en train de l'insulter. Il sait très bien ce qu'il a fait. Les bandits l'ont approché, autant fouillanté. N'a combien de nez? Autant m'a dit, combien de m'a tombé? Dibor, il n'a qu'un canafé, ou le couille. Mouné ira simfé, autant fouillanté. Autant en femme abé, moura assoreke. N'ta la gine kanan n'ta nade. Na imam, moura imam nara. La gine imam nara. Autant fouillanté, autant de rien à soci fait. Ou bien, manike fait assoreke. Moutan la gine fene, autant fouillanté. La gine imam nara. Autant fouillanté m'a tombé. Autant ben t'en au considérément. Ou en a battra yakoui. Bokuna kuna kanafe. Inoue, anon assoreke. Des ethno comme ça là. Ou mouya langue. Donc, non, ne le répondez même pas. Ne répondez pas à ce maudit-là. Oh, oh, ouais, ma mère n'a rambé, oh, ben, ouais, oh, ouais, oh, non, ma mère n'a rambé, oh, t'as ben, t'as nara. T'as fouillanté, ma tombé. Oh, j'ai beaucoup trop, beaucoup n'a qu'un raïki. Donc, l'imam, il t'a, mais que mon nom, il m'a bérédé, non, il fallait dire, ben. Dadis est venu ici, bérédé, non, il fallait rené, dadis, ben. Dadis n'a même pas juré sur le Coran. C'est-à-dire, lui n'est pas venu ici. Comme Mamadi l'a fait, l'investiture. Appeler la Cour suprême. Mamadi a juré devant tout le monde ici. Namoura Babiri Yaworibe. Mamadi m'a calibiri Yaworibe. Que le jour qu'il ne va pas respecter sa parole, la Guinée, Moulamane, justice sera applicable. Rien d'étonnant. On est en train de dire ça. Namoudi et Mouna même. Boubaba. Je travaille pas ici de Ibaba nan ma facture fi mabé. Ka inga dor men inga nyenge nan tanana. Oui, mou dépense bar. Inga to do rongu mayati. Mou occupé fe ora inon dinara. Nga siga walika. Gardez-moi des maudits comme ça parce que non dit o tout le monde ma mefe. Maintenant, ça c'est un petit conseil pour l'imam. Donc qu'il arrête de tourner autour, qu'il arrête de tourner autour. Non dit nanagana, non dit nanagana, voilà. Wafala be, agafala CNRD be. Ils ont enlevé le président Alpha Condé. Voilà. Ils ont enlevé le président Alpha Condé. Ce sont eux qui ont dit ici que le président Alpha Condé a modifié la constitution. Et tanana fala bego. La charte de la transition, ils ont juré là-dessus. Bire charte de la transition, Mamadi n'a rien respecté. Mais vous, vous pensez que nous sommes des maudits, moutanga doko na fouyanté, radi, djibor kunakana, moutona falama na fouyanté, nere mouama walfe, nere na kokoya.
parce que non dibura fima otambe na kala bante takana modele muta luma na lone muta ngwa mane la Guinée rasiga yari. Donc nta jamais plus grand, je ne vais manquer de respect à l'imam Salifo nta non dinam fala fe abe parce que foniketo so konakri atanam foniketo a fala be le CNRD lui a commissionné mais foniketona la Guinée be attendi nera proposition birima mona na rappel nan fala fe na be otan fuyante onu keli nta mara fala obe nta moi je suis guinéen. Donc je suis des quatre régions naturelles. Orana ethnie fe na na ki mura so se fe so se nana. Orana fuyante yada wa ba manentana. Mara fala obe. Nega garo yara onu waye. Oh non. Mura kadre so se nana tana. Nga fala obe. Orana fuyante ya waye. Ça passe pas avec moi go. Mara fala obe. O nega magaro manta mara. Kaosiga karamoko yoto ou bien mori yoto. Amunta magaro man. Mara fala obe. Kade mana kalabante la Guinée tona kanafe uma tofe. Malebek sare yerin nara. L'emploi à la fonction publique. Les bandits ont mis 19 500. Jeune mundo employeur to. Moura kidabiri marakana. Insécurité. Des maudits comme ça là. Et nous kelitoun. Tellement que era mentalité rourou. Et nous kelitoun. Ah parce que na imam Salifou. So senara. A so riki. O mouya langue. Mouna la Guinée fait n'amfala fait ki. Autant dougoulé. Mriyati na era gire sofe. Mais tellement dougoula. Saraka kané. Et dori. Grand. Doubouya biri farene. Ne brafa. Et migrera bangi gilafé meni. Courantin. So se yeri natande to. Otan fouyante. Otan nere afalafé. Mouna so se fe a so riki. Otan so se a gire so fe. Otan fouyante. Et bara nera mini meni. So se yeri natande. Kaloum kou meni. Et rogne. Otan fouyante. Ofata so se fe falafé. Mise ma omu wema. O fata kombiti de, mise ma omu na falama. Na fuyante matombe de. Muta na lagine na ngere sofe. Muta muna etini fego. De kalabante comme ça. Partage. O kyor sa. Et tambe, emu general 5 étoiles kolo. Nta ma temperature nara te mane nara gora nou kene tem nare. Voilà, c'est en fonction de petites personnes. Et... Vous savez, la dernière fois, nous avons tous parlé de Moussa Cissé, celui qui était actuellement le DG de SONAP. Vous savez, il a été le ministre du budget à un moment donné. Vous savez, il y a des gens qu'on ne parle pas. On dit toujours Amara, Bala Samoura, Idi Amin, ainsi de suite. Mais je vous ai parlé des domaines de Amara. Amara a acheté une maison vers Bessiaport 1 à près de 2 millions de dollars. Imaginez, c'est près de 20 milliards ça. Mais posez-vous la question, comment Amara gagne cet argent? Tous les grands marchés, Amara a son quota. Djiba, Djakité, ils ont leur quota dedans. Vous savez, je ne dis pas que si c'est, il est blanc comme neige. J'ai tous les documents avec moi ici. J'ai les documents sur les contrats. Comment les bandits, là, les djibas, les amaras, ils se font de l'argent. Et comme, vous savez, si vous prenez Amadou Doumbouya, celui qui était à SONAP, et vous prenez Moussa Cissé, ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes charismes. L'autre a été ministre, l'autre a occupé des grands postes. L'autre n'est pas manipulable par rapport à l'autre. Donc, l'argent qu'il se faisait au niveau de SONAP dans plusieurs départements, depuis l'arrivée de Moussa Cissé, ça a changé. Vous savez, l'autre, le fournisseur qui était là-bas au temps de Amadou Doumbouya, ils avaient changé. C'est là on nous a parlé de carburant toxique. Mais Amara et Djiba, parce qu'ils ne continuaient pas à gagner des milliards au niveau de ces départements, ils ont tout fait, le monsieur, c'est-à-dire ce qu'eux, ils gagnaient, c'était coupé presque. Donc, ils ont tout fait, monté tout, pour que le monsieur ait des problèmes. Ceux qui sont à la base, et j'ai les documents, je viendrai faire un live spécial là-dessus. Amara et Djiba,
comment ils se sont enrichis dans le gouvernement du CNRD. Parce qu'on dit, voilà, ce sont eux qui sont à côté de Mamadi, les nominations, ils ont, voilà, une force là-dessus. Voici comment ils ont sali l'autre. Et c'est pourquoi Amara a pris la décision, vite, pour limoger, pour pouvoir mettre quelqu'un que eux, ils veulent. Ils continuent toujours à se faire des milliards chaque fin du mois. C'est ça la vérité. Voici les vrais voleurs d'Iba Diakité qu'on dit qu'ils ne parlent pas. Mais c'est le sangsue. Diba que vous voyez. Amara, pareil. Et c'est ce qui est. C'est comme ça que ça se passe. Partout où il y a de l'argent, ils ont leur quota. Tu ne donnes pas, ils vont te salir. Ils font tout, ils montent tout pour te faire tomber. Amara et Diba. Bala, lui, il est dans les mines. Hein. Bala, lui, il est dans les mines. Idi Amin, lui, se fait suffisamment d'argent au niveau de la défense. Tout ce qui est achat, tout ce qui est prime, tout ce qui... En tout cas, l'argent, vous savez déjà le budget du ministère de la Défense. Idi Amin se fait suffisamment. Diba et Amara, comme je vous l'ai dit, nous allons revenir sur ces dossiers-là pour expliquer mieux aux Guinéens, pour montrer ces documents. Comment ces deux-là... Peut-être les gens disent, voilà, ils ne sont pas à la tête des départements. Les gens ne voient pas leur vol. Mais les vrais voleurs, les gros voleurs, c'est Diba et Amara. Les deux gros voleurs de ce gouvernement, ils font partie. Ils sont silencieux, mais ils sont impliqués dans tout, partout. Où l'État fait des recettes, les deux personnes-là sont là-bas. C'est pourquoi ils construisent des étages un peu partout aujourd'hui. Hein. Donc, Diba et Amara, c'est pour vous dire, j'ai déjà votre dossier. J'ai des documents sur vous. Donc, nous n'allons pas laisser. Voilà. Et on revient sur... encore, on va les rappeler. Vous savez, c'est le bon moment. Et vous voyez que maintenant, il y a tellement de démissions. Beaucoup se désolidarisent aujourd'hui du CNRD. C'est vrai, leur discours du 5 septembre, ça fait que beaucoup les ont soutenus. Mais depuis que le fanfaron de Amara, et depuis qu'ils ont commencé à mener campagne à l'intérieur du pays pour imposer la candidature du bandit Mamadou Doumbouya, les Guinéens conscients, je ne parle pas des inconscients. C'est-à-dire quand je dis des inconscients, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont aucune notion de la République. Je ne parle pas de ces gens. Ce monere manere contafler et furuma muta monema. Mais la Guinée ka a politicien harlima et birin birin barakolo Mamadou Doumbouya. Mais c'est une insulte au 21e siècle. Tous ces intellectuels dans le pays nous dire encore que c'est un vaurien comme Mamadou Doumbouya. On va venir imposer parce que Anoudangui, une fois que ça passe, c'est fini. C'est eux qui nous ont dit ici que le gouvernement d'Alpha Condé, ils ont fait un troisième mandat. C'était légal, hein? On est passé par un référendum. Il n'y avait rien qui pouvait, voilà. C'est vrai que oui, le président, le FAMA avait donné sa parole qu'il allait se limiter à deux mandats. Oui, c'était gauche. Mais c'était légal aussi. Eux, ils sont venus, ils ont tué, imaginez, la garde présidentielle. Et jusqu'à présent, personne ne sait le nombre de personnes mort ce jour-là. Ils viennent encore nous mentir. Eux-mêmes, ils viennent jurer sur le courant et nous faire croire que oui, c'est à cause du troisième mandat, de la cherté de la vie, qu'ils ont fait le putsch. Famille. Ils ont dit Alpha Condé a modifié. Mais pourtant, il avait respecté les règles. Il n'est pas resté, voilà, éternellement au pouvoir. Eux, ils ont dit que tout ça n'était pas bon. Emre Fara, Emre Radier Fara. Ils sont venus détruire notre économie. Les Guinéens, même ceux qui n'aiment pas Alpha Condé, ils savent déjà, avant le 5 septembre, notre économie est aujourd'hui. La sécurité dans le pays. La justice, comment la justice était hier et aujourd'hui. La classe politique, les médias, c'est-à-dire la liberté d'expression. C'est-à-dire vous venez bafouer tout ça. Et vous avez le kilo de vous flanquer devant nous pour dire que non. Hein? Vous venez vous flanquer devant nous que nous devons accepter. Nous devons accepter la candidature du bandit Mamadou Doumbouya. C'est insulter tous les Guinéens. Vous avez oublié, lorsqu'il est en train de prêter serment, lorsqu'il est en train de faire son investiture. C'est pourquoi quand je vois ces soi-disant qu'on des juges dans ce pays, vous avez oublié. Je ne sais même pas si j'ai...
Je crois que je l'ai dans l'autre téléphone. Sinon, sans quoi j'allais vous... Malheureusement, je l'ai dans l'autre téléphone. Sinon, sans quoi j'allais vous montrer tous les documents. Mais je vais poster après le live tout ce que Mamadi a dit devant la Cour suprême. Si aujourd'hui le même bandit vient s'arrêter devant nous, et les gens qui sont morts, on a dit, aujourd'hui, eux-mêmes, ils viennent de terminer le procès du 28 septembre. En principe, si Mamadi doit être là pour dire qu'il va être candidat, c'est que libérer Dadis, libérer tous les détenus, libérer les Tchogoro, libérer les Toumba, libérer tout le monde, vous demandez pardon aux Guinéens, c'est encore plus mieux. En principe, si Mamadi, comme vous, c'est la force maintenant, libérer Dadis, en principe, vous ne devriez même pas condamner Dadis. Vous ne devriez même pas juger Dadis. Parce que Dadis, vous avez juré devant le peuple de Guinée. Voilà. Vous avez fait votre investiture devant tout le monde ici. Vous avez juré devant le monde entier. Si vous avez trahi votre serment, la charte de la transition, la charte de la transition, qu'est-ce que vous avez respecté dans la charte de la transition? Que tous les Guinéens étaient libres. Mais les Fonikés, ils sont où aujourd'hui? Les Fonikés sont où aujourd'hui? À un moment donné, il faut respecter les gens. Les imams, vous voyez ça. Vous voyez ça dans le pays. Et là, c'est Loudalin. Et là, c'est Loudalin qui était opposé au président Alpha Condé hier. C'est eux qui ont dit que les Guinéens ne se parlaient pas. Les Guinéens ne se parlaient pas. Mais aujourd'hui, ceux qui critiquaient le gouvernement d'Alpha Condé pouvaient rendre visite aux responsables, pouvaient aller dans des départements ministériels. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, là, si le CNRD, ils apprennent que quelqu'un parle avec moi, mais c'est fini pour lui. Ce n'est pas eux qui nous disaient ici que les Guinéens ne se parlaient pas. Mais est-ce qu'eux, ils dialoguent avec Loudalin? Pourtant, le président Alpha Condé tendait la main au président Loudalin, à Sidi Touré. Sauf si eux-mêmes, ils disent non, nous ne voulons pas dialoguer avec vous. Nous ne sommes pas d'accord. Mais depuis l'arrivée des bandits, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le sens de ramener tout le monde autour de la table? Lorsque des bandits viennent, ils prennent des partis qui n'ont même pas 100 militants pour appeler ces gens que des politiciens. Ils connaissent le poids de ces Loudalins. Ils payent Ousmane Gawal pour détruire l'UFDG. Et vous venez nous dire ici que non, vous voulez la paix, vous voulez que ce pays-là aille de l'avant. Comment ce pays peut aller? Docteur Kassori. Docteur Kassori en prison. Docteur Diané en prison. Hein? Tous ces gens sont en prison. Que pourquoi? On dit que non, ceux-ci ont détourné. C'est pas ce qu'ils ont dit. La justice, elle n'est pas indépendante. La justice les a libérés maintes fois. Mais est-ce qu'on a respecté tout ça? Pendant ce temps, l'inspecteur de l'État a fait des rapports ici. Des milliards volés. Des milliards volés. Mais pourtant, qui on a condamné? C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont allergiques qu'on les critique. Ils ne veulent pas, malgré que les gens ont volé des milliards dans le gouvernement CNRD. Mais Mamadi, juste pour se faire blanc comme neige, parce que si on dit, voilà, tel a volé, les gens vont dire, ah, au départ, c'est pas vous qui avez mis les gens en prison, que corruption. Pourquoi les gens ont volé? Où étiez-vous? Parce qu'ils sont les premiers responsables. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas condamner aucun membre du gouvernement CNRD. Donc, apprenez à respecter les Guinéens. C'est vous-même qui avez fait que personne ne croit à vous aujourd'hui. Vous avez oublié le 5 septembre. Vous avez oublié que vous étiez flanqué sur l'axe, dans le fief de l'UFDG. Vous avez oublié tous ces moments-là. Vous avez oublié les moments où Doumbouya allait prier à la mosquée de Bambeto. Vous avez oublié les moments où ils ont envoyé la carte d'invitation à Sidi Touré, à Loudalin, à l'investiture du bandit Mamadi Doumbouya. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié quand vous avez ordonné, supplié Fonike Mangue, Kunduno, Ibrahim Diallo, pour faire des tournées ouest africaines, pour supplier la CDAO, pour convaincre les chefs d'État. Qui n'a pas vu ici Fonike Mangue, il est Ambalo. Fonike Mangue, le Bazoum qui était au Niger. Qui n'a pas vu ces images? Vous avez oublié tous ces moments. Vous avez oublié
C'est maintenant que vous allez venir vous gonfler comme si vous êtes tombé du ciel. Vous étiez qui hier? Ni t'étais le Fama. Donc à un moment donné, il faut respecter les gens. Ça n'a pas marché pour Dadis, ça ne marchera pas pour vous. Vous avez enlevé Alpha Condé au troisième mandat. Vous ne pouvez pas venir fabriquer une constitution et dire voilà. Et dans ça même, pour vous dire combien de fois je suis déçu de ce grand, lorsque vous créez une constitution, il y a des règles. Aux États-Unis, ici, là, il y a des règles. Aussi, si tu n'es pas né, même si tes deux parents sont des Américains, tu n'es pas né aux États-Unis, tu ne peux pas être candidat aux États-Unis. Ça, c'est l'une des règles. Mais, quelle constitution au monde va autoriser un criminel à être candidat? Mamadi est un criminel. Vous le saviez bel et bien, Mamadi est un criminel. Même la charte de transition, même la constitution que Dansa vient de créer, le coup d'État est un crime. Comment un criminel peut être candidat? Comment un criminel comme Mamadi peut être un candidat? Les morts du 5 septembre, ils sont où? Quelqu'un qui prend des mercenaires, vous avez tous vu des mercenaires le 5 septembre. Oui, Nourdine Bangoura, la Guinée avance, Inondi Yati, la Guinée avance. Le sac de riz était 238 avant le 5 septembre. Le sac de riz aujourd'hui, ça avance, Inondi, près de 400 000, Inondi. Les médias fermés avant le 5 septembre, ces médias-là n'étaient pas fermés. Inondi, la Guinée avance. Sadiba, Enafara, les Fonike Mangé, Mré kidnappé, la Guinée avance. Mbarafra, autant n'a fouillanté. Tant qu'on en a fouillanté à la Guinée Moussa Madède, autant fouillanté, autant remouama, c'est ce rabat fait. Autant fouillanté, tant qu'on en a fouillanté à grand grand, la Guinée Moussa Madède, tant qu'on Moussa Bessou, on y était bien, autant fouillanté, Kokoya, autant Nalou Sarakai, autant Baloma Sarakanan, tant que Mirim Nara Moussa, ici la plantation en bas, Ifanga Nderaba, Irabore, on a fouillanté à. Si ce n'est pas qu'en Guinée, ça je vais vous dire. Des gens comme. C'est-à-dire, ces militaires ne doivent même pas être présidents. Folafé lance un comptement. Fafé Dadisma. Fafé Sekoubama. Fafé Mamadi Doumbouyama. Dans un état normal, Némoulama et Rafine Mouram Mengera. Mais parce que c'est nous qui avons accepté. Mouram mentalité. On ne veut pas évoluer. Nanana mutoro feiki. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a tout donné. Khema na mouyi, diamant na mouyi. On a tout en Guinée. Mais c'est nous-mêmes, moura mentalité. Mentalité. Nanana mutoro fe. Nanana mutoro fe. Parce que Andena, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer de mentalité. Mere yati gere sofe etambe. Tama kolo mere na gere na gansofe etambe. Fouyante ya kui. La Guinée m'a trop tôt. La Guinée a fait falama mindeto. Donc, famille, le rendez-vous, c'est le 20. Non, moi j'ai fini de dire ce que j'ai envie de dire. Bon, pour New York, vous avez vu Bahouri. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il va dire aux Nations Unies le 28. Le rendez-vous des Guinéens, c'est le 28. Mon rassemblement, 9h30, devant le consulat guinéen à New York. Le 28 de ce mois, tout le monde à New York. Voilà. Bahouri, ce jour-là, il va faire un discours. C'est la Guinée Kébé. Moulamane, Mouramase, la Guinée Kébé. C'est-à-dire, le monde entier, Moufa, la Guinée Kanan Namoura. Déjà, ils ont dit qu'ils vont envoyer des gens contre moi ce jour-là. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous ai dit, voilà, je n'étais même pas intéressé parce que le bandit ne venait pas. Donc, moi, j'allais juste faire une communication. Mais, comme il y a des gens qui quittent en Guinée, qui viennent spécialement pour moi aux États-Unis, Manga Masse Obe, moi, je ne suis pas un peureux. Nafala Narabamane. Quand l'oumane dit fait que l'oumane a cuit. Mais dire que Ntanga Magbile du combat, c'est que je suis un maudit, je suis un lâche. Marana Falaoube. Voilà. Ceux qui sont venus là, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous,
D'ailleurs, je suis presque l'un des premiers à aller sur le terrain. On l'a regardé dans la dunia en Amérique. Ok? Quand on fait Sirina, on fait Fefera, on a même fait Inch'Allah. Devant l'ambassade, c'est Moubirin, la Guinée-Canada, Moubirin. Ok? On a ma carte dans la Guinée, on a une. Donc, on l'a regardé, on l'a regardé. Donc, tous les Guinéens, le 28 de ce mois, à partir de 9h-9h30, devant le consulat, et nous allons marcher pour aller devant les Nations Unies. C'est à partir d'ici, nous devons dénoncer, parce que liberté n'a rien à mouiller à Namouna avec les voyous en Guinée. Donc, le 28, Birin Ramini. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on est ensemble. Et à ce soir encore pour d'autres dossiers. Merci à Amadou Taslima Diallo, Alpha Diobaldé. Merci à vous, Bakary Potter. Lancez Condé. Ne répondez pas. Vous voyez pas les brebis galeux, ils sont combien ici? Et Mouk Bobé. Voilà, Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Amadou, voilà. Diallo, merci. Aruna Djené Djakité, merci à vous. Makeme Bangali Sissé, merci à vous. Merci à Mohamed Sidibé. Voilà. Pour vous dire combien de fois les militants du CNRD, ils sont tellement gênés. Kodamaro, pourquoi tu fais les vidéos toujours dans la voiture? Et Maridor Woto Kui l'air bini. Otone. Moutan Wali Mane, nous on travaille. Mara Masse au bébé. Moi combien je gagne dans Uber? Damaro Moufama be akula mati woyagori. Ama falabe akanyo okanyo traba. Damaro ma falabe amuna ma rafacture sarifide. Vous avez tout fait. On a rabangi maï. Et, Mérina Oto n'en a qu'il l'air biri. Amérique be. Oto n'en korokoka. Comment je vais dire ça? Loyer n'en sari koroko. Mais tellement que est dougoula. Ils veulent toujours te voir à terre. Et wama ito fe kianare. Ça dit erato itorore c'est semir la gna kagbe benan tanto mabe et kolon sankiri na kan sanyi et kolon doma na kan soma en to makian re donc otanan toro meni kam siga madire tra banabra baba fari naraba wula kui naraba ireyo o ga blogger wo etoma misema wu we manena ndayati moi je vous remercie ça dit wa critique motivation nara ntambe nanara wali fait chaque jour parce que na ko lokamu wali kamu ko bri fait dara mini manema nanara moi je chaque jour repos munambe je fais le Uber du ça dit chaque jour parce que famille nan ntanyira mere nan ntanyira moi au rafera fama tant ko mu kombiti onu kombita nyamu sesera bamana nta ora simane onu kombiti na yat mu faube o mato ko ravio kuna kana kiana re Damaro na fotita. Awalima. Kedi na hii. Assurance na hii. Alhamdulillah. Megifanye na akambira. Donc, otan kontofili manta mafidi. Otan yati la mane. Kawama malediction na bafi. Onaraba meni. Donc, alabe owa akali. Problem na oku njina nago. Oku njina mufa. Oku njira wali. Ofe analize. Aha. Donc, merci.